get your gun, get your gun. Take it on the run, on the run, on the run. Hear them calling you and me, everyone for liberty. Hurry right away, no delay, start today. Make your daddy glad to have had such a lad. Tell your sweetheart not to pine, to be proud our boys in line. Over there, over there, send the word over there, that the Yanks are coming, the Yanks are coming, the drum, drum coming everywhere. So prepare, say a prayer, send the word to beware. We'll be over, we're coming over, and we won't come back till it's over, over there. Johnny, get your gun, get your gun, get your gun. Johnny, show the Hun you're a son of the gun. Hoist the flag and let her fly, Yankee Doodle do or die. Pack your little kit, show your grit, do your bit. Yankees to the ranks, from the towns and the tanks. Make your mother proud of you, and the old red, white, and blue. Over there, over there, send the word over there, that the Sammies are coming, the Sammies are coming, the drum, drum coming everywhere. So prepare, say a prayer, send the word to beware. We'll be over, we're coming over, and we won't come back till it's over, over there. Ta-dam-ta-dam-ta-dam. Hey, 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 salut mes petits culs et bienvenue pour ce nouvel épisode d'Etiquette Challenge. Oh là 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 là. Alors déjà, j'ai dû vous casser les oreilles à chanter. Mais alors lui, avec son violon, il kiffe, hein. Il kiffe ça, notre petit Gustave. Il louche en plus, c'est magnifique. Bref, bienvenue pour ce nouvel épisode. Comme vous pouvez le voir, nous avons madame de Arthur qui est encore en train de squatter à la maison. Arthur, il est déjà parti. On a le petit choupinet du Lulu. Oh Lulu, tu vas aller dormir. Lulu, tu vas au lit parce que forcément, ils sont debout. Voilà, et toi aussi tu vas te coucher quand même. Ouais, alors non, tu vas dormir Gousse. Bon bah Gustave. Tu peux pas revenir dans le grand lit, hein. Ça y est, hein, on a de la place dans la baraque, hein. Toi aussi, tu viens dormir. Hop, tout le monde au lit. C'est pas comme si. Qu'est-ce que tu viens faire, toi? Ah ouais, acheter ces trucs dans la poubelle. D'ailleurs, cette poubelle que je n'ai jamais changée. Pourtant, j'aurais de quoi... Mais il neige! Mais c'est beau! Mais regardez cette... Oh, il y a de la neige sur mon toit! Mais non, mais c'est trop beau! Excusez-moi, je découvre encore la beauté des saisons dans les Sims. Ah, c'est magnifique, je fais une petite photo. J'attends qu'elle soit rentrée. Voilà, magnifique photo et j'entends Mireille. Mireille! Oh, Mireille! Attendez, c'est quelle touche déjà pour redescendre? Je sais plus. Ah, c'était là. Oui, après moi, je vais faire comme ça. Voilà, on peut faire... Voilà. C'est la touche A pour descendre comme ça, si vous ne saviez pas. Voilà, ouais, avec le petit tram qui passe. C'est super! Et la petite Mireille est en train de pleurer. Et c'est même pas sa mère qui va s'en occuper. Mais c'est grave, mais c'est grave, mais c'est grave. Oh, tu es vraiment pas une bonne mère. Mais j'ai oublié de la gérer, elle va dormir, toi. Louise, tu peux te barrer maintenant? Merci, au revoir. C'était bien sympa de vous voir, mais... non, mais toi, tu vas au lit aussi. Oh, malheureux. Ma petite, comment ça s'appelle déjà? Joséphine. Oh, hey, hey. Ça fait quelques... Quand même... Ouais.
J'ai pas enchaîné les deux épisodes comme je fais d'habitude, donc là, j'enregistre juste avant de vous les diffuser, donc forcément. Enfin, pas juste avant, juste avant. Peu de temps avant. Mais la neige, quoi, les gars! Putain, c'est beau! Ah, oui! Regardez. J'ai changé la porte. J'ai changé la porte et je me suis dit, est-ce que ça va vous plaire? On va descendre maintenant que je connais les touches. Je trouve que elle va bien avec les fenêtres. C'est là une des seules portes qui fait trois carreaux et qui a des fenêtres, ouais, donc pour qu'on puisse voir à travers et comme ça on a un peu de luminosité dans l'entrée parce que c'est comme la dernière fois j'ai fait l'entrée. Hop, voilà, c'est beau, hein? Vous voyez? Coucou! Oh, c'est la cuisine! Oh, il y a un gâteau! Oh, oui, c'était le mariage, effectivement. Le pauvre Arthur, lui, là, il s'est vraiment barré. Il a dû se barrer vraiment très très rapidement. Tu t'occupes enfin de ta fille, ma petite! Allez, tu peux la bercer, tu peux lui parler, et tu retourneras au lit. Poilot, zizi! Est-ce qu'ils ont fait leur devoir poil au placard? Ça, je m'en souviens, je ne sais plus. Mais c'est pas bien grave, on n'est pas dans les enfants parfaits. Je sais même plus où c'est. Il l'avait déjà fait. Et elle l'a pas fait du tout. Bon, elle est chiante, la Mireille, hein? Oh, Mireille, tu me casses les oreilles! Mais ta gueule! Je suis désolée pour toutes les Mireilles qui me regardent. S'il y en a, alors en tout cas, si vous vous appelez Mireille, faites-moi signe. Il doit en avoir beaucoup, hein. Mais quoi? Qu'est-ce qu'elle a? Ah, des coliques? La saloperie, la des coliques, elle va nous chier plein de placards, plein la maison. Oh, il y a Lulu aussi qui s'y met. Mais quoi? C'est pas changer la couche. Mais tu lui as donné à bouffer quand je t'ai dit de la donner à bouffer? Parce que c'est peut-être ça, hein, tu connes. Ok. Ah, oh merde, les gosses. Les gosses à l'école. Vous allez vous faire virer. C'était ça qu'elle voulait, la sagouine. Alors, vas-y, tu vas la bercer un coup. Comme ça, elle fera son gros gros dégueu. Mais vous pouvez partir, madame, quand même, non? Oh, tu la connais pas. Vas-y, tu veux te présenter quand même. Eh ben, se barre. Super. Ça s'appelle du faux départ, Gustave. Ah, Gustave, tu vas te faire des amis, hein. Et toi aussi. Faut vous rencontrer des amoureux. Voilà, c'est bien. Flatté. C'est ta belle-sœur, quoi, maintenant, tu vois. Vous avez le même prénom, en plus. Ah, là, la gerbe. C'est bien, ça, vous croyez pas? Voilà, et puis tu vas discuter un peu. Et Lulu? Oh, qu'est-ce qu'il a, Lulu? Oh, petit chou, qu'est-ce qu'il y a? Il a fait un cauchemar, il a froid. Et il perd des vêtements secs. Mais c'est génial, maman, tu vas le foutre au lit. Hop! Plus vite que ça. Qui c'est qui s'éclate là? Jojo, elle s'éclate à mort. Dans la baignoire. Vas-y, prends. Oh, mon petit Lulu! Oh, mon petit Lulu! Germaine a rencontré Major. Encore du moins, je te bouille là. Oh, je le croquerai. Alors, il va grandir dans combien de temps, lui? 4 jours déjà! Ah! Ouais, parce qu'en fait, mon idée c'était que après cet épisode-là, enfin pendant cet épisode, du moins, je ne vous le dirai pas, mais je vais tirer les dés pour chaque personne. Qui est actuellement à la guerre. Et puis je pense que pour une bonne partie des PNJ ou dans la famille, tout ça, je vais quand même tirer au sort. Je vais virer une bonne partie des mecs, je pense. Du moins, je vais tirer au sort les dés. Et je vais tirer au sort, donc, enfin les dés, je vais y arriver. Pour Pierre-Nard, Albert, j'en ai oublié un. Albert et Arthur. Ben non, c'est ça. Voilà, c'est pas mal. Et puis, ben, vous saurez peut-être pour le prochain épisode si je travaille. Vous croisez très fort les doigts pour que je travaille bien. Et quand j'aurai bien travaillé, et ben, je pourrai faire des bonnes choses pour vous.
pour que vous soyez content de ce que je veux faire. Je ne sais pas si je vais y arriver, hein. J'ai des idées plein la tête, mais pas forcément la possibilité de les réaliser, n'est-ce pas? En tout cas, ce sera pour bientôt, parce qu'effectivement, les années 1918 vont arriver. Et 1920, c'est quand Lulu il sera enfant. Comme il sera enfant dans 4 jours. C'est-à-dire que là, 1918 va bientôt arriver, la fin de la guerre. Et donc, qui dit fin de la guerre, dit aussi, bah, soit les hommes rentrent à la maison, soit ils rentrent pas, quoi. Voilà, comme moi, ça, c'est fait. Oh my god, les enfants, regardez. Notre belle Jojo. Oh non, elle va devenir vieille et gâteuse. Oh, Jojo. Elle va perdre sa splendeur, de ses beaux yeux. Non, ses yeux, elle va les avoir encore. C'est ses cheveux qu'elle aura plus. Et elle se marre, ça la fait rire. À cause d'une urgence personnelle. Mais what? Bah, si tu veux, barre-toi, hein, meuf. Tant, t'as jamais demandé de rester ici 3 heures. Hein. Et bon, bonne grossesse, hein. Hein? On croise les doigts pour Arthur, qu'il revienne. Ben, qu'il revienne. Donc, ben, on va faire un gâteau, hein. J'avais demandé à Louise de faire à manger pour Lulu, mais on va passer au gâteau aussi, hein. Donc, ça va être sympathique, tiens. Est-ce que tu peux aller voir et plaquer le traitement anti-mite et nouer des liens avec les abeilles? C'est pas grave si tu te fais piquer. Et juste qu'elles sont furieuses, donc de toute façon, elles vont te piquer. Puis t'as aucune relation avec elle. Donc attention. Oh, c'est beau. Ah, ça se passe mieux avec elle? Mais elle se fait pas piquer, hein? Abeille calme. Abeille en hibernation. Ouais, est-ce que du coup on peut pas récolter le miel? Oh, c'est trop sympa. Et attends, 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 avant de te foutre devant la cheminée, on a des chemises là qui sont complètement qui vont être gelées. D'ailleurs, est-ce qu'on a de la lessive à faire? On va faire de la lessive, oui. Bah oui, il y en a plein par terre. Elle avait dans une bassine la compétence archéologie. Mais comment est-ce possible? Ah, il y a un livreur que Mais meuf, t'as fait à manger? Ok, tu vas me prendre une portion pour Lulu. Et tu vas nous faire un. Tu vas nous faire un gâteau au chocolat pour ta maman. Et puis on va inviter peut-être des gens pour fêter son anniversaire. Allez, les garçons ne pourra pas vraiment parce qu'ils peuvent pas. Normalement, si, les soldats avaient des permissions, mais bon, ça fait un peu bizarre de les inviter comme ça. Ça pourrait être rigolo. Vous pensez que ce serait sympa d'avoir que les garçons revoient tout le monde? Pierre-Nard, Albert et Arthur. Bon, Arthur, ça fait pas très longtemps qu'il est parti, hein. Mais qu'ils viennent en permission pour l'anniversaire? Je trouve que c'est une bonne idée. Ah, on est d'accord, hein, c'est une bonne idée. Ouais, je sais, je suis remplie de bonnes idées. LOL. Oh là là, regardez-moi ce Gustave. Il est enragé, Gustave. Et puis, il a pas froid avec en courte culotte comme ça. Ah, mon petit Gus. En tout cas, il pue la mort, donc il va aller se laver. Le Lulu, il est debout. D'ailleurs, il faudra réparer la maison, d'ailleurs. Elle est partie enfin faire sa lessive. Oh, elle est malade. Tant que tu me claques pas dans les doigts, parce que de froid, hein, fiévreuse. Ouais, bah, t'es chier. Toi, tu fais un gâteau. Hein? Et puis après, on fera l'anniversaire tranquillou, bilou. Bilouchou. En attendant que tout se passe, notre petite Louise nous fait un joli petit bouquet qu'on mettra sur la table, qu'elle offrira à sa maman pour son anniversaire. Oh, bah oui, c'est la belle vie, ça. Et puis, on va peut-être pouvoir s'occuper du jardin quand même. Tu vas faire évoluer. Les épinards, on s'est tellement pas occupé de ça. Depuis que Pierre-Nard est parti, c'est le truc est là, quasiment à l'abandon, quoi. Ah, mon Dieu. Ça neige. Faire évoluer. Il faut bien cliquer sur le truc. Hein. Faire évoluer. Je sais plus. Non. Je crois qu'elle est en train de tomber malade.
Punaise, c'est chiant à cliquer, hein? Effet révolu. Cocotte, tu peux m'étendre le linge là, vider la lessive quand même? Qu'est-ce que t'as? Tu t'en es mis partout, bras douloureux. Ah bah, la révolution n'est pas encore là, la révolution technique, c'est pas encore pour aujourd'hui, ma petite Joséphine. Je suis désolée pour toi, mais là vraiment, tu vas devoir faire avec quoi. Oh, regarde-moi ce petit Lulu. Merde, y a Mireille qui pleure. Oh, crotte de chien. Viens t'occuper de ta fille, vite. Oh. Oh, la fifille. Tant qu'il n'y a personne qui... C'est bon. Tu me... Dire? Ben, habille-toi, un truc d'hiver, quoi. T'es conne, quoi, meuf. Attends. Plus de choix. Non. Tenue. Tenue de froid. Regardez-moi comment il marche. Mais non, c'est pas possible. Oh, elle a fait un joli bouquet. Ouais. Ah oui, non, non, j'ai confondu encore une fois Louise et Joséphine. Non, mais c'est pas possible. Non, mais c'est bien, Jojo, quand elle sera vieille, avec ses cheveux gris, ben, je la confondrai plus avec sa fille. Donc c'est positif quand même. C'est au moins ça. Et merde, elle vieillit sans nous. Oh, putain. Je suis dégoûtée. Trop tardé! Putain! Ah bah oui, bah ouais, bah écoute. Voilà. Tant pis! Ah, mais qui c'est qui est là? Mais c'est Arthur qui fait le déserteur! Eh ben, casse-toi, Arthur! On veut pas de toi, nous. Oh putain, regarde, ta mère, même pas elle te regarde. Même pas tu es. Eh ben, ton frère non plus. Mais tu crois que tu es invisible, Arthur. Tout est invisible, regarde, on peut pas te voir. Attends, la mère à la porte. Arthur! Y'a plus Arthur. Arthur? Pas Arthur. Pas Arthur? Pas Arthur. Bon, bref. Voilà. Je suis deg, ouais, elle a vieilli sans son anniversaire. Je suis un peu dégoûtée quand même. Mais... Tant pis, en plus, Louise, elle avait fait un gâteau. Elle avait fait un cadeau. C'est nul. Tiens, tu vas lui offrir ton gâteau quand même. Ton gâteau. Ton cadeau. Réconforter le parent. Allez, t'en auras d'autres des anniversaires. En fait, non, c'est pas vrai. T'en auras pas d'autres, tu vas mourir avant. Ta prochaine étape de ta vie, c'est que tu crèves, en fait. Le truc horrible. Flatté. Elle a dit, oui, mais ma fille, tu comprends pas ce que c'est, là. Avoir mal au dos comme ça en permanence, hein. Je vous ai porté tous les cinq. Hein? Mon vagin, il a souffert, hein. A free bathroom. Offrir un cadeau. Composition florale. Crème d'azur. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Non, Jojo! Non, Jojo! Ah, oh, c'est pas vrai. J'ai dit non, Jojo. J'ai ton anniv. L'anniversaire raté en beauté. Il est veillé 20h, elle va déjà se coucher. Bah, ça, c'est le vieillage. Hein. Ça, c'était... Alors là, hein, quand même. Bah, même tu, Lulu est parti se coucher, vous voyez. Floufi, Alain, est-ce que ça te fait plaisir d'avoir un cadal? Comme mon bon vieux temps, conversation agréable. Mais parle à ta fille. Parle à ta fille. Ah là là, c'est fou. Exprimer son admiration. Oh ma fille, tu arrives à élever tes enfants. Voilà, tu t'en occupes jamais, mais tu arrives à les élever. Sans ton mari. Ton mari qui est à la guerre, on ne sait pas s'il va revenir, tu as bien du courage, tu sais. Vraiment. Non, non, c'est là que je dois cliquer. Ouah, elle a bien grossi, hein, bien grossi. Voilà, discussion mère-fille, conversation intime profonde. Frénésie nettoyage. Ok, bah écoute. Discuter la théorie des couleurs. Par contre. Ce qui est bien, c'est qu'elle a gardé ses sourcils roux, hein, Jojo. C'est beau. On la sait tendrement.
Allez, frénésie de nettoyage. Je sais pas pourquoi en cliquant sur ta mère, on a la frénésie de nettoyage, mais bon. Regardez-moi ça, c'est trop mignon. Je poche pas. Un flash quank. Alors ça, va manger, va te coucher, ma pauvre. Bon, elle a pas fêté son anniversaire, mais c'est pas grave. Pourquoi il y a ça? C'est très bizarre. Bon, comment ils vont les garçons? Ça va mieux? Les garçons. Bah, j'ai oublié que j'en avais plus qu'un, moi, d'ado. Et puis t'as elle aussi, hein. Bon, elle se plaint, ça pue, bah t'iras nettoyer si t'es pas contente, et tu iras faire tes devoirs. Non, mais tu te prends pour qui? Espèce de petite insolente. Comment elle s'appelle? Louise, mange aussi. Mange dodo. Oh oui, mais quand même, ils ont été réveillés tôt, bah ils vont se coucher tôt, hein, ça c'est sûr. Et Lulu, lui, va péter la forme. Tiens, c'est quoi mon pépère? Allez, tu vas aller sur le popo. Qu'est-ce que tu fais? Elle va faire ses devoirs là, bah oui, c'est logique. C'est complètement logique. Et neige sur la maison. Neige, non, il fait un peu frisson. Je dis là la merde. Et je sais plus, on avait mis les bougies, on n'a pas le temps de mettre les bougies. Plus de choix. Oh. Si! Ah si, elles sont là. Non, on va pas souffler les bougies, on va enlever les bougies. Tu vas enlever les boubous? Les gigis? Est-ce que t'as Lulu qui fait caca? Elle aussi, elle va faire ses devoirs dans la chambre? Ben ouais. Non, mais c'est bien grave quand même. Il y a d'autres endroits hein, pour faire ça. Je sais pas si vous êtes au courant. Lui, il fait son petit caca. Ouais, bah écoute, tu vas aller te coucher direct. Hein. Si tu fais changer l'eau. Oh! Je sais pas si vous l'avez entendu, je suis là, mais le bruit de paix, moi je l'ai entendu. Hein. Tu changeras l'eau plus tard, tu sais, c'est pas grave. Tu survivras sans mettre de l'eau, la nouvelle eau. Avec notre petit linge qui sèche. Qui s'échoua. Voilà. C'est beau, regardez-moi ça. Alors, toi, oui. C'est magnifique. Ah ouais, puis regardez ça. Ouah, il y a un jet d'eau. J'ai jamais fait gaffe qu'il y avait un jet d'eau, moi. Ah, c'est trop bien. Mais ouais, il y a même les buissons, les machins, ils sont tout recouverts, hein, attention. Regardez, même mon église, elle est recouverte. Oh, c'est trop beau. Bon, là, comme c'est le vrai hiver, que ça crin-crin pour tout ce qui est Gustave, qui lui va devenir aussi adulte en peu de temps. Jeune adulte, il me semble. Dans 3 jours. Ouais. Lui, il n'ira pas à la guerre, hein. Ça sert à rien, il n'aura pas le temps. Oui, il n'aura pas le temps, tout simplement. Puis de toute façon, la guerre sera finie, puisque dans 4 jours, on est en 1920. Déjà, yes. Une décennie qui sera passée quand même très rapidement. Et alors, pour ce qui est de l'héritier, eh ben, on devra. Faudra qu'on décide ensemble. Peut-être je ferai encore un sondage. Dites-moi si vous voulez que je fasse un sondage comme dans le Ugly to Beauty Legacy Challenge, où vous voterez pour votre héritier de Saint-Paul. Comme ça, on saura avec quelle famille on va jouer après, par la suite. Est-ce qu'on va jouer avec Louise, ou est-ce qu'on va jouer avec Albert, avec Arthur, avec Gustave, ou avec Germaine? On verra bien. Et puis après, bah voilà, on suivra cette petite famille-là à partir de 1920 jusqu'à la suite. Donc n'hésitez pas à me le dire. Allez, Gus, c'est terminé ses devoirs. Bravo, Gus Gus. Va faire le dodo dans ton nouveau grand lit. Pichama choufa. Qu'est-ce qu'il parle d'urinoir, lui? Oh, moi, je vais me faire pipi dans un urinoir quand je serai grand. C'est quoi, ça, un urinoir? Ah, ben, moi, je le sais, hein, parce que je vais l'inventer. Ce sera le Lulurinoir, parce que je m'appelle Lucien. Oh là là, putain, j'en dis de la merde, hein, je sais pas, j'étais fatiguée toute la journée, et puis là, je dis beaucoup de conneries en 5 minutes. C'est magnifique, on adore. En vrai, on attendra que Germaine aille se dodoter, puis Lulu également. Et puis après, on se quittera pour cet épisode. Wouh! Allez, tout le monde au pieu! Allez, JJ, Jermaine, oh Jermaine! Allez voir le bambin. Laisse ce bambin tranquille. Tu vois, lui, il est parti se coucher, il était triste parce qu'il était fatigué. Toi aussi, tu peux y aller.
elle est quand même jolie cette porte, hein, on va pas se mentir. Puis même avec l'intérieur rouge comme ça passe, c'est joli. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup, il n'y a pas tant que ça des... Oh, oui, c'est vrai, j'avais oublié qu'elle a toujours ça. Bah, tu mettras dans ton inventaire hein, par la suite, hein, d'accord? Oula, attention, attention, et voilà, moi je vais vous quitter pour cet épisode, j'espère en tout cas qu'il vous aura plu. Donc n'hésitez pas à laisser un like, un petit pouce en l'air, un commentaire, vous savez que ça me fait très plaisir et j'y réponds à chaque fois. Peut-être pas dans l'instant, mais j'y réponds. Et vraiment, merci de tout cœur d'être là de plus en plus présent et nombreux pour le Decade, ça me fait énormément plaisir. Je suis une petite chaîne, je n'ai pas vraiment l'intention de devenir une youtubeuse célèbre, n'est-ce pas? Mais bon, hein, si ça vous plaît, peut-être qu'un jour ce sera le cas. En tout cas, moi je vous embrasse et vous vous dites, eh, ce Funungel, elle nous a teasé en début d'épisode, là, elle nous a montré un bébé. Ouais, bah, vous voulez savoir quoi? C'est une fille et elle s'appelle Simone. Allez, salut Simone, bisous, au revoir. Oh non, et ta gueule, Mireille, hein, tu me crasses les couilles. Hein. Allez. J'avais une outro de ouf et elle me gâche tout. Eh, Simone, salope. Alors non, je suis désolée pour ce que je viens de dire. Toutes les Simone ne sont pas des salopes. Mais si vous avez la ref, n'hésitez pas à la dire en commentaire. Voilà, elle est changée, elle ne cassera plus les pieds. Moi, je... Mais casse, burne! Tu me casses les couilles! Allez. Ah, je pourrais couper maintenant. Ah, oh, putain, qu'est-ce que ça fait du bien quand ça s'arrête. Allez! Vite ton ibar! Et au revoir! Oh, ça c'est du slogan. Finalement, je vais mettre sur pause. Finalement, quand on est interrompu par des bébés, on arrive à faire des putains d'outros. Allez, au revoir Simone, salut, à la prochaine. Bisous, ciao!